Allô les roses, aujourd'hui on vous retrouve depuis le sud de l'Italie. Souvenez-vous, la dernière fois dans le défi On devient parfumeur, Alexandra nous avait conseillé d'aller voir directement chez les producteurs comment sont fabriquées les huiles essentielles, composant central des parfums. Buongiorno! Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Et la priorité numéro 1 en arrivant, c'était... On va manger? Ouais, c'est bon. On va manger. Moi je dis que la mer c'est par là-bas. Premier jour en Calabre, on vient d'arriver. Là, on va trouver un endroit pour manger. On est là depuis à peine une heure. Des pizzas, parce que Marie nous a fait un caca nerveux pour des pizzas. Donc on va prendre des pizzas. On se sent à moitié à Cannes, à moitié à la Grande Motte. En mieux quand même. Hein. En mieux, voilà. Et si vous vous demandez où est notre petite Clarache, eh bien Clarache, bon courage pour ton devoir de gestion. Ah. Et on vous confirme, en ce qui concerne la nourriture, les Italiens ne plaisantent pas. En fait, on a pris des pizzas pour tout goûter, plus des pizzas, donc on est clairement con. Voilà. C'est trop bon. Puis, histoire de digérer, on est allé se promener au bord de la mer. Le lendemain, on a pris le ferry direction Messina en Sicile, puis quelques minutes de voiture et on est enfin arrivé à l'usine d'extraction Simone Gatto. Allô Simone, c'est le jour numéro 2 aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous faites ? Eh bien aujourd'hui, on va rencontrer Sandro qui dirige une usine d'extraction d'huile essentielle et de jus également, de mandarine, de citron, de pamplemousse, enfin principalement d'agrumes. Alors on va peut-être voir les usines demain et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Marie ? On va probablement aller dans les champs. Oui ! Pour voir directement le fruit à la racine quoi. À la racine ! La racina, comme on dit dans la famille. Bisous les gros, les roses. Et bisous les roses. On a ensuite rencontré Sandro, le directeur de l'usine, qui nous a raconté l'histoire de cette entreprise familiale créée en 1926. Il nous a aussi parlé de la façon dont était pressé le citron à l'époque. En une journée, on produisait 4 litres d'agrumes, contre des tonnes aujourd'hui. Eh ben, c'était pas de la tarte au citron, les roses. Puis, il était temps d'aller faire la rencontre des agrumes dans leur habitat naturel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je viens de faire un petit trajet dans cette camionnette, ce qui est extrêmement drôle, hein. C'était vraiment très marrant. Et là, en fait, on vient d'arriver dans les grands champs. Et on voit d'ici de l'orange qui est juste là et du citron qui est juste là. C'est énorme à voir, il y en a de partout. C'est la première fois que je vois autant d'oranges et de citrons de ma vie, à part à la foire du citron de Menton. On va vous emmener avec Marine à la découverte de tout ça. Et puis, à un moment, dans cette immensité d'arbres fruitiers, on a perdu Lola. Qu'est-ce que tu fais Lola ? Mais Marine, je cueille un pamplemousse ! Oh, bah... Bon, allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Alors autour de nous, vous pouvez voir des gens qui récoltent à la main les citrons parce que tout à l'heure Sandro nous disait qu'il y avait des camions qui arrivaient des fois et où ils voyaient que les agrumes avaient été fait tomber des arbres avec des machettes et tout. Et en fait ça c'est pas bon. Eux ils les récoltent à la main, ce qui fait que le citron est préservé quoi, et dans sa forme naturelle. Et ça sent super bon. Du coup là ils sont en train de les ramasser. Bien sûr. Je ne vais pas lui dire au revoir, il aime. Bon, allez les filles, à vous d'entrer en jeu. It's time to shine. C'est fou quand même, c'est fou. Là, je suis attachée à rien. Je suis juste sur l'arbre. Moi, vu que je suis grande, j'ai pas besoin d'échelle. Pas vite fait. Alors, c'est pas trop dur ? Si, ça fait mal. Alors, pour info, les roses, faites attention, les citronniers ont des épines. Aïe ! Et c'est l'heure de la dégustation. Merci. Moi j'en prends deux parce que j'arrive pas à les faire. En fait c'est hyper étrange. Parce que c'est super sucré. C'est très acide au début. Et d'un coup ta salive devient sucrée. C'est un truc de ouf. Non pourtant c'est moins acide que ce que je pensais en fait. Ça se mange bien. L'avantage,
c'est que là, ils sont pas traités du tout. En fait, c'est que j'en ai arraché un et j'ai arraché l'écorce au bout. Donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, ouais, on le goûter. Le quoi. Vrai goût. Du vrai citron. Le vrai goût du vrai citron. C'est super bon. C'est du vrai citron de Sicile. Les citrons sont ensuite amenés à l'usine pour être triés. Eh mais, reviens Lola. La journée tirant sur sa fin, on a décidé d'aller manger un morceau. Encore. Et on a surpris Marine et Lola en train d'essayer d'améliorer leur italien. Ah, salut les roses, on espère que vous allez bien. On se retrouve maintenant devant le restaurant. On va aller manger. On va aller manger voilà. Parce que ça nous a creusé. Dans les champs. Voir les champs, c'était super intéressant, on espère que ça vous a plu. On y retourne demain. On y retourne demain pour visiter. On va pas vous dire tout de suite, on va vous laisser la surprise pour la suite de la vidéo. Donc moi je propose qu'on y aille pour manger de la pecere penne de spaghetti. Faut aller manger italien. Oui. Évidemment, tout était beaucoup trop bon. Et puis ça a aussi été l'occasion pour les filles de créer une belle amitié avec un habitant du coin. Bah écoute Rosina, je suis assez contente que tu poses la question parce que je suis là pour le parfum urbain tropical. Tu sais, on fait des petites vidéos avec ma copine Marine. D'ailleurs, je peux, si tu veux, je peux t'arranger un coup quoi. Alors, désolée mais si ça a fait plus, je crois. N'insiste pas, non. Non, vraiment, arrête de me regarder, c'est un peu gênant là. Pour ce dernier jour, on est retourné à l'usine d'extraction. Alors les roses, ça c'est un look protection en cas de projection d'huile essentielle. C'est bien quoi. Il y a quand même un petit col. Tout en swag, on est parti. Oh, t'es trop belle. Voilà, là c'est exactement, c'est le tout début de la sélection. Le camion se met ici pour décharger les citrons. Et c'est là où ils voient pour la première fois la récolte. C'est ça, on est extrêmement belle, ça me perturbe avec cette Charlotte. On nous a d'abord expliqué comment sélectionner les citrons et reconnaître ceux qui sont en mauvais état ou pourris à cause du gel et du transport. Là on fait du tri, ouais. On est cut. Il enlève les fruits qui sont un peu morts, qui peuvent pas contenir de jus ou du jucheux. Et le plus important, on nous a expliqué d'où venait l'essence des agrumes. Prenez une agrume, les roses, chez vous. Vous faites ça. Et voyez, j'ai de l'huile sur les doigts. C'est pas du jus, c'est... Là, j'extrais l'huile. Et vous voyez, c'est comme des points noirs, en fait, ça explose. Et comme les filles étaient un peu curieuses, on n'a pas pu les empêcher d'aller faire un tour du côté des oranges. Ça, c'est une orange sanguine. Ça va, ça sent pas très fort. Ah, j'adore. Mais qu'est-ce que vous faites les filles là? C'est pas ça qu'on est venu voir. Bon, une gorgée et on retourne au boulot. C'est les oranges sanguines, c'est ça? Santé, ouais. Oranges sanguines qu'on a dégusté juste avant. Alors, on fait le contrôle qualité. Et en fait, là ils coupent le citron, ils le pressent et c'est là où se fait la différence entre le jus et les pots pour récolter les huiles. Ok! C'est une deuxième machine. La première machine qu'on a vue là à l'instant, c'est une machine qui va d'abord récolter le jus en coupant les citrons et en les séparant. Et là, c'est une deuxième machine qui va d'abord récolter l'huile, puis après le jus. Pour récolter l'huile, il va prendre le citron et couper plein de. Et le piquer pour donner un citron normal sans huile. Puis, on a enfin trouvé ce pourquoi on était venu. Ici, c'est l'essence.
On a également eu la chance de sentir de l'huile essentielle d'orange tout juste distillée. Là, en état, ça sort du distilleur. Ce qu'il vient de nous donner, il y a 70% d'huile et 20% d'eau. Et ce qui fait que ça sent comme une peau d'orange qu'on éclate, mais en plus fort. Et au milieu de toutes ces machines, on est tombé sur le Saint Graal, l'huile essentielle de mandarine, l'une des senteurs principales des parfums double jeu et double jeu électrochic. Là, dans la cuve géante derrière nous, c'est de l'huile essentielle de mandarine en fait. Et c'est ce qu'on était venu chercher en fait ici en Sicile. C'est avec ça en fait qu'on va faire du parfum. Mais dis donc Marine, où sommes-nous? Alors, j'ai mis dans une raffinerie. Donc là, en fait, on récupère toute l'huile pure et on va la séparer dans plusieurs bidons. Voilà. Et on va faire des échantillons qu'on va pouvoir envoyer aux marques, en fait, pour des parfums. Voilà, pour qu'ils puissent tester, créer le parfum et tester la saveur. Et là, ce qu'on sent et que vous ne sentez pas malheureusement, c'est l'huile essentielle de mandarine qu'ils sont en train de raffiner. On n'a pas vu ça embaume, mais ça embaume. C'est un truc de ouf. Je n'ai jamais senti une mandarine qui sentait autant. Et ce qui est ouf, c'est qu'elles ne sont pas du tout comme les mandarines de notre commerce. Non, c'est vraiment une mandarine spécifique. C'est dingue. Voilà. Donc là, en fait, on est dans un laboratoire dans lequel arrive l'huile, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, en fait, du coup, ils vont vérifier la qualité de l'huile et ils vont la classifier. Et c'est ici que s'achève notre visite de l'usine. Marine, ouais. Je crois que c'est un moment de tristesse. Absolue. Et en fait, vraiment, je vais nous tuer. Et les rentre. Non. J'arrive même pas. C'était vraiment super de voir, pour le coup, vraiment l'arrivée des... On a vu tout le cheminement, là. Et la petite frustration, c'est que vous n'avez pas les odeurs, donc n'hésitez pas à aller checker les parfums et à nous dire pour vous, quelle senteur ça a et quelles huiles sont présentes dans le parfum. Et voilà, c'est la fin de notre superbe voyage en Italie. Mais avant de vous quitter, Marine et Lola voulaient vous dire un dernier mot. Yo les roses. Hello. On vient d'avoir nos vols pour après. C'est pour ça qu'on est un petit peu fatigué parce que là il est tard, il est minuit passé. En tout cas, on voulait vraiment remercier aux jeunes de nous avoir permis de découvrir tous les chemins mènent à Rome. Oh. Voilà pour ce joli petit voyage, c'était vraiment super sympa, on espère que ça vous a plu. Lola est vraiment très fatiguée. Donc on est super contente d'être partie à la découverte du parfum. Merci beaucoup et on vous retrouve sur le blog pour des articles. On vous retrouve sur Rose Carpet pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous les roses, ciao. On a adoré faire ce voyage avec Marine et Lola. Et un grand merci à Ojeune pour toute cette aventure. Bisous les roses. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.